Chagatai, qu'est-ce que tu nous demandes, Chagatai? Non, on veut que tu relâches du pays en fait, donc ça non, ça c'est pas intéressant. Ouais, ça je suis même pas sûr de pouvoir le vassaliser en fait, c'est ça le problème. C'est que je suis même pas sûr de pouvoir vassaliser ces pays-là. Autant, ouais, celui-là je suis même pas sûr du tout en fait. Oirat, t'es quoi? T'es un tributaire des Ming, mais est-ce que t'accepterais une vassalisation? Non. Pour l'instant, Chagatai, j'ai envie de... J'ai envie de relâcher du monde, mais... Ça sera attaqué par Transoxiane, donc ça a pas ou peu d'intérêt. Peut-être les deux petits ici, avec une des réparations de guerre, on peut essayer, ouais. Qu'on a quoi encore? J'ai pas forcément d'intérêt de... Enfin, si ce n'est de lui faire bouffer son argent et de lui causer de graves problèmes pour que la Chine puisse pas en profiter. Bonsoir à toi, Chris Race. Ouais, on va faire comme ça. On a Caradel et Calcas. Qui ont été libérés, parfait. Toi, tu vas revenir ici. Alors, est-ce qu'ils accepteraient une vassalisation? Ouais, non, ils sont trop loin. Ah, c'est pas le cas de Caradel. Donc, Caradel, on va lui garantir l'indépendance. Ok. Et les Maldives, ben, sous 9 jours, va devenir notre vassal, hein. Donc, vassal à Chicago, tout ton pognon. Voilà. Parfait. Donc, on est à 91 daimyo. Bon, ça va. Pas trop mal. Toi, il faut une offre d'alliance, oui. Ensuite, on va Calcas, on va aussi lui garantir l'indépendance. Senji vient de déclarer la guerre à Karnata. Senji, que viens-tu de faire? Alors, si vous avez des petits défis hein, qui sont un peu en lien avec ce qu'on est en train de faire, moi, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à proposer. Bon ça. Garantir l'indépendance. Oui, parce que c'est pour éviter qu'il se fasse taper dessus. Hein. J'ai pas envie du tout qu'il se fasse taper dessus. Donc si on peut éviter ce genre de bêtises. Je prends. Toi, tu accepterais une vassalisation aussi. C'est bien ça, c'est bon à savoir. Alors. Non, Ternate c'est bon, fourrure de ce côté-ci c'est bon. Ok, parfait. On va commencer la vassalisation. Ah, il est en guerre contre Uchi. Ouais, une fois qu'il aura fini sa guerre, lui, on va peut-être le vassaliser quand même. Est-ce qu'on peut quand même enfin, l'annexer, pardon. Est-ce qu'on peut lancer l'annexion de ce pays-là? Non, parce qu'il est en guerre, hein, justement. C'est ça le problème. Toi, on va améliorer tes relations. Ok. Ah, bon sang. Keladi, Koshibar. Keladi, Koshibar, Koshibar, Koshibar. Et qu'elle a dit?
Seppuku, qu'elle a dit. Et Koshibar, Seppuku aussi, merci. Atteindre les 100 avant la fin de la soirée. Ça sera pas trop compliqué, je pense. Si les vassaux se font pas trop la guerre entre eux, on devrait pouvoir le faire. Notamment si on vassalise le Bengale et qu'on attaque Bamani. On sait que Bamani, on doit libérer plusieurs pays. Donc, vous voyez, par exemple, il y a Malwa qui peut être libéré. On a des possibilités là. Hein. Clairement. Ok. Toi. Proposition 2, valorisation. Parfait. On avait dit améliorer les relations. Peut-être Dulkadir. Ah, mais Dulkadir est déjà vassal de Karakoyunlu. Ah, ça, c'est gênant. Cité de Karabag. Est-ce qu'on peut. Est une cité marchande n'acceptera pas la vassalisation. Ah, oui, ça, c'est gênant, ça. Mais on avait dit que les Avars, peut-être. Deuxième reconquête à Jams de. On va améliorer les relations avec les Avars. Ensuite, bon, toi, il faut qu'on arrête d'améliorer les relations ici. Toi, Nagor vient de déclarer une guerre, ok. Nagor, ok, on avance. Hein. Alors, Caradel. On avait dit une alliance là, si on peut dans sous 7 jours. 152. Le mariage royal, on va éviter. Par contre, on va faire un cadeau, faire un don. Est-ce qu'on peut améliorer les relations avec ce pays-là? C'est par le plus grand des hasards. Doty vient de déclarer une guerre non acceptée. Caradel. On a dit faire un don. 186. Et on améliore encore les relations, donc c'est pas mal. Et on va même pouvoir vassaliser au tour suivant, donc c'est parfait, au mois suivant. Donc le 24 juillet, nouveau vassal. Ah, au moins un en Afrique, d'accord. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ouais. Punjab, 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 Punjab. Annexer Domio Ava. Ok, bon, ça va être compliqué, mais. Et là, est-ce qu'on peut te vassaliser, toi? Attitude, réputation diplomatique. Si on garantit l'alliance. Distance à la frontière. 62, rang politique, famille. Ah, c'est compliqué là. Ah, compliqué. Ajams qui fait la guerre. Ok. Parce que Anissa n'acceptera pas Hormoz non plus. Ah, est-ce qu'il y en a qui sont relativement très loin en fait? Et le fait qu'ils soient très loin n'aide pas beaucoup. Bon, déjà, on va pouvoir se rapprocher. Anissa, pour l'instant, on lui garantit juste qu'on n'est pas allié à eux. Donc, Anissa, on pourra peut-être leur faire la guerre. Suivant, ils sont alliés à l'Afghanistan, Timouride. Est-ce qu'on pourrait menacer les.
Ah, ils ont plus qu'un seul territoire, non? Et Mazandéran. Si on fait une offre d'alliance, déjà, on n'aura plus l'expansion agressive. Après, on peut leur faire un don, ce qui monterait à 100, 158, plus 25, 78. On serait pas si loin que ça, hein. On va essayer, tiens, je vais lui faire un don. Enfin, je vais l'influencer déjà. Ah, je l'influence déjà, mince. Ah non, on fera peut-être plus long que ça. Plus long que ça. Ok. Bon, on a dit le suivant, c'était le Bengale. De toute façon. Et si on lui déclare la guerre comme ça. Alors, je vais regarder un peu ce que ça donne en termes de 72, 87. Ouais, ce qui m'embête, c'est les Mamelouks qui sont pas très très loin. Hein. Hormoz aussi, mais Hormoz, c'est eux qui nous ont déclaré la guerre la dernière fois. Et il accepterait de... Ah non, il accepterait pas de donner ce territoire-là. Mogostan. Et il est allié aux Mamelouks, à Ajams, à Djouran et Warsangali. Warsangali, c'est tout petit. Sur le principe, on pourrait le vassaliser. Hormoz, sur le principe, 188%, c'est trop gros. Et Adjuran, c'est trop gros aussi. Ajams, c'est quoi? Ça représente quoi? 126%, c'est gros aussi. Mais Ajams a plusieurs pays, je crois. Ouais, il y a Lorestan. Et Karakoyunlu qui pourrait être libéré. Alors on aurait la possibilité d'avoir Warsangali comme vassal. Donc nous rapprocher notamment de Majartine. Après, Caradel. C'est un vassal. Donc Caradel, on n'a plus besoin d'améliorer les relations. Ça c'est bon. Compliqué, compliqué. Sang va couler. Alors, bof, on va éviter que ces deux-là se fassent la guerre. Normalement, ils devraient rejoindre la guerre. Toi, t'es allié à qui? À Majapahit. Et Majapahit n'est pas un vassal. Ok. Majapahit, on pourrait le rattaquer à nouveau. Et Majapahit, on est en paix avec lui jusqu'en... Ah, d'accord, encore 6 ans. Donc, on pourra attaquer Ayatuya à ce moment-là. Ça, c'est bon. Donc, on va attaquer le Bengale. Allié à Chagatai et à Bamani. Ce qui veut dire qu'on pourrait attaquer à nouveau Chagatai. Et peut-être libérer un peu plus de pays. Ah, y a moyen de faire des choses quand même. Hein. Et je veux exploser Bamani, ça c'est clair. Bamani, c'est cadeau, c'est collector. Je vous l'offre. Eh bah ben Mani, je peux pas le mettre en co-belligérant, sinon il fait rentrer les Ming dans le tas. Et j'ai pas envie de faire rentrer les Ming dans le tas. Qu'est-ce que quoi? Alors, ça ferait passer Hormoz en 56, Ajams à 57, Timouride, bon voilà. Et on n'aurait pas les... Ouais mais... Quelque part, est-ce que ça changerait bien grand-chose? De toute façon, c'est des pays contre qui on est déjà en guerre et... Bon, après, le tout, c'est d'éviter les Mamelouks. Mais le temps que la guerre se fasse, on aura peut-être baissé les Mamelouks, donc... Allez, c'est parti, baston. Il y a un moment, faut arrêter de tergiverser. On a dit qu'on voulait avancer. Hop là, on se met même à deux de stabilité, histoire que ça se passe bien. Et on va aller péter Bamani. Parce que là, je vois Gujarat qui a. Les territoires du Gujarat, faut qu'on prenne les territoires. Il n'y a pas à chiquer.
Faut qu'on rentre dans le tas et qu'on fasse mal, quoi. Et toi, t'es sûr que tu veux pas accepter une petite vassalisation 17? Parce qu'on a une distance à la frontière. On pourrait donner des territoires à Chagatai. À Caradel. Genre les territoires qui sont là. Pour que Calcas devienne notre vassal. Plus facilement, peut-être. En tout cas, Bamani, ouais, il va falloir qu'on l'explose. Hein. Pas de pitié. Alors, Cyrine, c'est où? C'est là. On peut pas monter les châteaux. Il y a des châteaux qu'il va falloir qu'on augmente quand même. Je pense que certains, ça serait peut-être pas une mauvaise idée quand même de le faire. Eh, mais on a une armée ici. Mais pas de... Bah attendez, on n'a pas... Non, on a dit tout le monde en guerrier. Est-ce que Caradel, t'aurais pas un général intéressant? 3-0-5, ouais non. J'ai dit intéressant. Oui, bah, intéressant. Oh, 2-2-3, hein. Ça c'est intéressant. Enfin, c'est mieux que rien. On va le prendre et on va commencer à siéger des territoires là. Parce que si on peut exploser Bamani, moi je prends. Hein. Clairement, je prends. L'Espagne, population. Ouais, popularité croissante du tabac. Bah, fort bien. Aimable. Tout va bien. Alors, on va améliorer. Est-ce que séparatiste... oui, mais si tu veux, oui. Par contre, on va améliorer les dépendances. Lui, on a dit qu'on pouvait pas pour l'instant, mais on s'en occupera plus tard. Les avares, pour l'instant, sont sortis de la guerre, ou sont en tout cas très bien. Donc, on a toujours une possibilité de vassalisation de façon assez haute, donc on va lui garantir l'indépendance pour le garder sous le coup de possession légitime. Le Cachemire, tu vas te faire voir. Merci le Cachemire. Donc le principe maintenant c'est de massacrer. Qu'est-ce que quoi? Oui, si tu veux, oui. De massacrer nos voisins. Les fanatiques catholiques à Prome. Mais qu'est-ce que c'est que cette hérésie? D'ailleurs, à noter que plusieurs sont devenus isolationnistes. Hein. Bon, hein, c'est des vassaux qui veulent bien, bien nous aider, etc. Les avares, qu'est-ce que quoi? 76. Expansion agressive. Pour expansion agressive, tout de suite, des grands mots. Tiens, on va t'influencer. On va te faire revenir et on va récupérer un peu du monde. Avancée technique, oui, s'il vous plaît. D'ailleurs, on en est où? Ouais, bon, on gagne un petit peu des pièces, hein. Bon, 143 pièces de la part des vassaux. Voilà. Ça sert à rien d'avoir des vassaux, quoi. C'est totalement inutile. On n'y gagne rien. Tout ça, tout ça. D'ailleurs, on va faire une revendication sur Majapahit. Pour avoir un casus belli et pour pouvoir l'attaquer et défoncer au passage Ayutthaya. Même si on prendra pas le territoire en question, le but ce sera de les taper bien comme il faut. Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui s'amusent.
Ah oui, Caradel fait son ménage, hein, j'aime bien. Hein. Est-ce qu'on peut donner des territoires à Caradel, s'il vous plaît? Caradel, Caradel, Caradel. Caradel. Ah bah alors là, pour trouver au milieu de 90 vassaux un vassal, pour lui donner des territoires, comment vous dire? C'est un peu compliqué. Ah, Caradel, merci. Ouh. Alors, il était vers la fin. Non, ou un peu plus haut. Caradel. Voilà. Et ça appartiendra à Yarkand. Ouais, donc c'est bien. Non. Voilà, c'est bien. Fais ton ménage, balade-toi. Le siège de Oudia machin est pris. Parfait. Siège suivant. Le but, hein, c'est de prendre les territoires. Hein. Alors, toi, déjà, c'est non. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils nous embêtent pas trop sur nos capitales. Enfin, on arrive à monter un peu certains territoires. Hein, histoire d'avoir des forts qui traînent un peu. Oh, j'avais une flotte qui traînait, je crois. Ah oui, non, mais non. En plus, si t'as des rebelles qui... Ah non, mais... Ah, bon. Oui, alors si, on va prendre ce territoire-là. On va y foutre un coup de canon pour y aller un peu plus vite. Et on va exposer cette armée de Bamani, là, si on peut. Ok. Bamani est niveau 13. Oui, non mais... Ok. Et qui a adopté cette connerie? Pause. Alors. Londres! Oui, je vois... Oui, c'est pas étonnant, ouais. En termes de nœud commercial, il y a pire. Et nous avons tout ça. Comment ça augmente du côté de Kyoto? Du côté de Kyoto. Point 15. Pays limitrophe, province, d'accord. Puissance commerciale de la province au moins 45. Oui, non, bah non. Ça va être compliqué. On va essayer comme ça, hein. Et puis ben on verra. Si il faudrait construire peut-être plus de ça pourrait être pas mal. Jammu, je sais pas. Owari, oui. Ah les courriels plus 34 et ça plus. Ok. C'est pas trop mal. Toi on n'avait pas dit qu'on pouvait te vassaliser. Toi non. Mais toi oui. On pourrait. Orisha, Delhi. On va améliorer les relations avec toi pour l'instant. Ça devrait aider un petit peu, on va dire. Bon, avoir un vassal en Afrique, vous en avez des bonnes quand même, hein. Par contre. J'aimerais pouvoir attraper cette armée là. Ah, voir fondre l'armée de Bamani, ça c'est un plaisir sans fin. Et on a beaucoup de colonies qui vont se terminer. Pour notre plus grande joie. Pour notre plus grande joie. Ensuite. J'espère
vais te mettre ici, tu vas faire sauter. Faut faire sauter ses forts, hein. Il y a un moment, faut que ça tombe, hein. C'est bien d'être gentil, mais Bamani. Ah, alors. Colonie suffisante ici, parfait. La France a des territoires là. C'est qui ça? C'est pas à nous ça. Ça me plaît moyennement ça. Séparatiste. Ouais. Faites-moi sauter ces murs. On a des canons, utilisons-les, bon sang. Allez, 35% c'est 100%, non, bah, malheureusement non. Fin de la trêve avec Prom, bah, c'est parfait. L'Espagne se prépare à attaquer Tunis, bah fais-toi plaisir. Hein. Est-ce que l'Espagne nous connaît à tout hasard? Non, toujours pas. Le Portugal nous connaît par contre. La Bourgogne. Tiens, la Bourgogne existe toujours. Et la Bourgogne est un pays de l'Empire. Et pour l'instant, c'est Nassau qui est. Bah, ok, pourquoi pas. Parce que l'Autriche, si, bien. Ah, oui, d'accord. Ah. Ah, et d'accord, la religion officielle de l'Empire est le protestantisme, d'accord. Ah oui, l'Autriche est un peu seule, ouais. D'ailleurs, la République des Deux Nations est plutôt jolie, hein. Le Danemark est pas mal, il devrait fonder la Scandinavie bientôt. L'Écosse est toujours en vie. Eh ben. On voit des choses étranges, hein. Alors, si tu finis maintenant, mais comment on l'explose, lui? Allez, tu prends le fort. Tu déconnes? J'ai dit, tu prends le fort, 64%. Ah d'accord, on n'arrive pas à prendre le dernier fort. Ok. Ok, allez, bloque-toi. Et Bidar aussi vient d'être pris. Ok, parfait. Toi, tu vas aller là, puis on va aller exploser lui. Ça va, hein, 5 minutes. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le message pour le. Pour la vidéo de cet après-midi sur EU4 justement. Il manque une partie du live mais c'est pas de mon fait malheureusement. C'est l'enregistrement qui s'est mal passé. Et j'ai oublié de vous prévenir de ce fait-là. Non, toi tu passeras pas, c'est hors de question. Ils sont des bons généraux, Bamani, la rumeur. Bah, si tu veux, t'attaques qui tu veux, mais tu me fous la paix. Comment ça se passe? Bamani est pas bien. 91%. Ouais, Bamani, ça va. On va essayer de récupérer celui qui est sur Majapahit, hein. Ça serait pas mal. Il va falloir attendre la fin de l'année, par contre. Ok. Colonie autosuffisante de ce côté-ci, parfait. Est-ce qu'on aurait. Ok, ça me va. Ensuite, Majapahit. Une revendication sur ce territoire, oui, peu importe. Toi, on t'appelle, ça me va. Et donc, on sait qu'en dans 2 ans, on pourra attaquer Majapahit. Et donc faire exploser Ayutthaya qui est en guerre actuellement contre Ming. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Pour le tribut de Ayutthaya. D'accord. Conquête sur Majapahit, oui, c'était voulu. Merci.
Ça, c'est beau, ça. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça, si ça s'appelle pas une vengeance, je vois pas ce que c'est. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça, je prends aussi. Succès de conversion, parfait. Allez, on y va. On envoie, on envoie. Ok, une révolte de séparatistes corassiens. Oula. Au Sistan. Si encore ils vont sur la Transoxiane ensuite, je dis pas. Ça me dérange pas. Par contre, pas prendre les forts, ça c'est pas bien. Ça va falloir leur apprendre que c'est pas une. Un truc digne de mes vassaux, ça. Un commandant nous a quittés. Ah!